Contrairement aux allégations rapportées par un quotidien arabophone, je peux vous garantir qu'Air Algérie n'a pas perdu. Air Algérie a payé ce qui est dû à la société canadienne. Il faut aussi préciser que la demande du groupe canadien s'est élevée à peu près 161 millions de dollars. En fin de compte, ils ont eu 15,8 et sur les 15,8, ils doivent rembourser à peu près 7,8 millions à leur assureur. Eh bien, je vous dis qu'il n'y aura pas de saisie d'avion. C'est tout ce que je peux vous dire. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de rembourser quelque chose comme 4 milliards de dinars par an. À l'horizon 2020-2021, Air Algérie doit rembourser à peu près 12 milliards de dinars par an. Parce qu'il y aura la concomitance des remboursements du prêt bancaire et du prêt FNI.